Demir Sönmez is impatiently waiting to see the first printed pages of his book. The Armenian version of his photography book, entitled The Wounded Eaglet, is going to be printed in Yerevan in a few weeks. The publication is a collection of Sönmez's photos from the 2020 Karabakh War, punctuated by the narration of his own experience on the ground. Demir Sönmez is of Kurdish and Armenian descent, originally from Turkey. He has been living in Geneva, Switzerland, since the 1990s, where he is known as the photographer of the oppressed. Migrants, LGBTQ community, minorities, the 62-year-old photographs those who have been forgotten by the world. Les médias du monde entier, ils n'ont pas occupé, ils n'ont pas beaucoup intéressé photographier événements du peuple opprimé. Je ne vais pas faire, comment il s'appelle, choisir seulement, je vais faire attention, c'est pour notre peuple, pour les Arméniens, pour les Kurdes. C'est pour moi, c'est égal pour les Palestiniens aussi, pour les Tamils aussi, pour les peuples de la latino-américaine aussi, pour les peuples, par exemple, Pays Basque aussi. C'est pour moi, c'est égal, c'est tout, c'est même. S'il y a une liberté, s'il y a une paix, s'il y a une égalité, s'il y a une justice, je voterai pour tous. When the 2020 Karabakh War started, the freelance photographer felt the need to be on the ground with his people, as he told us. Je vais aller là-bas, c'est parce que quand je regarde les chaînes, quand je regarde du monde entier, le peuple arménien, le peuple Artsakh, ils sont seuls. Tout le monde, ils ont fermé les yeux sur ce qui se passe par là. Quelque chose, il m'a dérangé. Je n'étais pas à l'aise. Après, j'ai vendu mes matériels pour financer ce voyage arménien. En Arménie, à Yerevan, et après, je passe au Karabakh. In Karabakh, the photographer experienced the atrocities of the war. He witnessed death, destruction of innocent lives, and the dismantling of buildings and churches. According to Sönmez, he almost lost his own life twice. Le risque est partout. Sans risque, on fait rien. Sur l'autoroute de la près de la Chouchi, je suis dans une petite voiture. J'ai vu, c'est une explosion, le ciel comme la journée, la nuit. D'accord, j'ai dit, je viens où? Si ici c'est quoi? Je demande le chauffeur, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il a dit, la Chouchi, ils ont bombardé maintenant. Je suis choqué parce que déjà j'ai vu en Irak, en Syrie, mais il m'a touché beaucoup. There is one image that the photographer will never forget. It is a photo of the young soldiers fighting on the front lines. Quand je vu eux, j'ai dit, c'est pour moi honte. Pour moi, c'est honte. Regarde, c'est 18 ans, ils ont droit encore vivre. Peut-être ils ont continué son étude. Peut-être ils marchent dans une rue de la Yerevan avec ses copines. Mais ils ont lâché tout derrière eux, les familles aussi, ils viennent pour défendre Artsakh. Ça, il m'a touché beaucoup. We asked Sönmez why he chose The Wounded Eaglet as the title of his book. The photographer told us that on the road, they saw a wounded eaglet, but they didn't take it or take care of it. The little eagle reminded him of Armenians and Karabakh. Une petite aigle, maintenant, c'est on lâché seul. Je m'accuse aussi, parce que je ne fais rien pour l'aiglon. C'est la même histoire exactement. C'est Artsakh qui est blessé. Du monde entier, ils ont fermé les yeux contre le massacre du peuple arménien, le peuple Artsakh aussi. Ce livre, c'est un documentaire pour moi. C'est un documentaire historique pour aujourd'hui et pour demain. C'est mon témoignage, même temps témoignage de la guerre aussi. On le sait pour le futur. Je publie pour raison ça, parce que je veux faire quelque chose contre ceux qui sont défendus à Artsakh. C'est mon devoir. Si je peux laisser quelque chose derrière eux,
n'oubliez jamais.